les fans de la Star Academy n'ont pas fini de voir Pierre et Elena ensemble. En effet, une grande nouvelle a été annoncée dans la journée de mercredi concernant les deux élèves et le prime de la finale attendue samedi 3 février. L'aventure Star Academy touche à sa fin après 3 mois d'aventure. Samedi 3 février, l'ultime prime de la saison sera diffusée sur TF1 et départagera Julien et Pierre. Et leur dernière semaine au château a été marquée par beaucoup de travail. En effet, les copains ont même été soumis à de dernières évaluations, lors desquelles Malika Bingelou ne cesse de faire cadrer par Michael Goldman. Les répétitrices Lucie Bernardoni et Marlène Schaff les ont également rejoints chaque jour comme d'habitude pour préparer les chansons de la finale. Mercredi 31 janvier, elles leur ont même annoncé une belle surprise. Point des retrouvailles entre Pierre et Elena très attendues en effet, à leur arrivée, les chanteuses ont révélé à Pierre et Julien qu'ils auront l'occasion de réinterpréter sur scène le duo le plus marquant de leur parcours. On comprend alors très vite que Pierre va être réuni avec Elena samedi soir, une semaine après l'élimination de cette dernière. Ensemble, ils chanteront Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, le même titre sur lequel ils se sont produits le soir du lancement, le 4 novembre, sans se connaître. La boucle sera donc bouclée. Et sur X, anciennement Twitter, cela a ravi les internautes. On va avoir notre finale Elena Pierre, arrêtez tout ce que vous faites, on va avoir le retour d'Elena sur Shallow avec Pierre. Elena et Pierre qui vont chanter Shallow lors de la finale si est-il trop beau, Elena et Pierre sur Shallow, je vais pleurer, oh l'annonce du duo Pierre-Elena sur Shallow, ça fait du bien à nos petits cœurs, peut-on lire. Rappelons que, depuis plusieurs semaines, Pierre et Elena sont au cœur de toutes les rumeurs les 10 ans en couple. À sa sortie de la compétition, la jolie Belge de 21 a toutefois nié avoir craqué pour son camarade. Pierre et moi, on est hyper complices et on s'est découvert plein de points communs. Musicalement parlant aussi, on aime écouter et chanter les mêmes chansons, si est-il ça qui nous a rapprochés naturellement. Si est-il purement amical et ça l'a toujours été, a-t-elle assuré pour Télé Loisirs. A noter par ailleurs que, lors de la finale, Julienne aussi aura le droit à son duo. Un duo qu'il partagera avec Clara, sur le titre I Stand By You, qu'il avait interprété la semaine des binômes.